Bon, tenabino bandeko ya PPDC résistance keto pe boyo ya parti politique démocrate combattant. Lelo lisusu toye pona kosolola makambo etali ekolo pe bandeko na biso bazali na Congo Brazzaville o bazali ko souffrir o bazali ko mona pasi pe o bazali ko zala torturé na ba image nyonso tozali ko mona na ba internet na ba Facebook na ba ligne partout. Donc, attitude wana est condamnable. Na kanisi ke tozali ba nyamate, mais tozali batu. En tant que batu, yon wana na bimili susu pona koya ko solola, ko pesa ba message, na baye oyo bazali na ba attitude wana comme ça ba tika. Oui, mes frères. Dans le cours de semaine, nous avons vu des images désagréables par rapport à nous, citoyens de la République démocratique du Congo, et aussi par rapport aux gens du monde qui se posent la question sur la manière dont devons-nous traiter nos frères ou devons-nous considérer nos frères qui résident avec nous dans le même pays ou qui cherchent à voir quelque chose à vivre mieux dans le pays d'asile. Voilà donc questions à laquelle que nous devons nous poser et nous comprendre pourquoi des hommes que nous respectons commencent à agir comme des animaux. Voilà donc le message et voilà donc une compréhension que nous devons vraiment se positionner sur le débat que nous aimerions avoir pour essayer de comprendre ces gens. Pour ma part, je pense que ni l'autorité, aucun gouvernement ou la police ou de qui que ce soit ne peut mener des actions telles que nous le voyons. Je pense quand même que si il y a des actions qui peuvent être amenées, ces actions doivent être conduites par la justice et doivent être condamnables et jugés que par le juge, et non par les gens de la rue, et non par des individus qui se font justice. Sauf si il n'y a plus de gouvernement, sauf si les autorités de ce pays sont dépassées par les événements, sauf si ils arrivent plus à assumer leur rôle de protection de cette population qui était venue demander l'asile ou qui avait affranchi pour travailler dans de bonnes conditions dans ce pays-là. Donc voilà comment le procédé normal de gens normaux qui aimeraient mettre en place ou faire en sorte que l'équilibre ou la paix puisse régner dans cette partie. Oui, j'entends dire que parmi vous, il y en a ceux qui disent qu'il y a beaucoup de Koulouna. Il y a des gens qui traversent le Congo-Kinshasa, qui sont tellement pourchassés chez eux et qui fuient pour venir demander une sorte de protection pour travailler ensemble. Je comprends que votre attitude puisse être aussi archaïque pour essayer de dire que, ben oui, si nous leur faisons ainsi, c'est parce qu'ils sont considérés comme des voleurs, ils sont considérés comme des colonnes. Et moi, je pense que ce n'est pas une bonne attitude. De la mesure, quand vous acceptez les gens venir chez vous, c'est que vous avez une part de responsabilité. Sinon, vous n'allez pas permettre que ces gens puissent pénétrer, avoir tout ce que vous leur avez donné de vivre, pour ensuite vous chercher à créer des problèmes. Non. De la mesure que ces personnes-là ont un vécu chez vous, donc nous pouvons dire que
vous ne pouvons plus, nous ne pouvons plus les considérer comme ces colonnes que vous dites. Quand un colonna quitte Congo-Kinshasa pour arriver à Brazzaville, de l'instant que vous l'accueillez, c'est qu'il n'est plus ce colonna. Parce que vous le recevez en tant qu'un individu à part entière. Vous lui donnez le moyen d'essayer de vivre correctement. Donc, il n'est plus ce colonna. Mais par contre, si ces personnes commettent ou font des actions graves dans ce pays d'accueil, ils doivent être condamnés, jugés selon leurs règles et non comme nous sommes en train de le voir actuellement, que vous faites une sorte de paranoïa sur toute une population de citoyens de Kinshasa qui résident à Brazzaville pour dire ils sont tous Kulona. Et ça, c'est condamnable et ça, c'est vraiment, ce n'est pas normal qu'un pays qui avait des valeurs, un pays frère, puisse commettre ces choses sur ses propres frères, et ça, je ne le tolère pas et je ne le permettrai plus que nous puissions encore voir des bêtises des autorités de Brazzaville. Il est temps que vous puissiez commencer à assumer vos responsabilités en tant que chef de police, en tant que généraux, ministre ou président de la République, vous avez un devoir de protection vers ces personnes-là. C'est une condition que chacun de nous essaye de mettre en place pour que ça puisse se terminer. Nous ne pouvons pas laisser toujours le doute, puisque de la part, il y a ni les autorités de Kinshasa, ni les autorités de Brazzaville qui arrivent à montrer qu'il est capable d'assurer et de maîtriser ces événements sans créer de pavure. Mais là, nous voyons quoi? Il y a un gouvernement qui est affaibli, qui n'a plus d'armes pour essayer de se défendre, donc il s'en prend directement à ces personnes sans défense. Et ça, je ne le tolère pas. Je ne permettrai plus que mon gouvernement de Kinshasa, qui laisse des exactions sur sa population sans qu'il puisse avoir une réaction. Et ça, ce n'est pas tolérable. Mais maintenant, nous sommes en train de parler sur ce que nous allons procéder pour essayer de rétablir cet équilibre, cette chose qui nous divise. Voilà pourquoi je reviens encore. Je pense que dans le premier temps, il sera nécessaire que les autorités de Brazzaville puissent s'exprimer clairement et qu'ils puissent répondre pourquoi nous. Parce que nous voyons, il n'y a pas que des citoyens congolais. Vous dites parfois que non, nous visons cette opération Mbata, Yabakolo, c'est pour toute une population de citoyens étrangers qui vivent chez nous, qui font des colonnes. Mais jusqu'à présent, mes frères, les images que nous voyons, oh, il n'y a jamais eu d'autres images qui démontrent que le traitement subi par les citoyens congolais de Kinshasa est exactement le même avec celle de Ouest-Africains ou des autres communautés. Ou soit, il faut le dire clairement, que vous souhaitez qu'il ne puisse plus y avoir de relations diplomatiques entre vous et nous.
où clairement vous souhaitez qu'il puisse avoir un pont coupé directement entre vous et nous. Ce sont des choses à laquelle un responsable qui doit dire clairement. Mais moi, je vous le dis, aujourd'hui, nous vivons de tels événements. C'est par votre incapacité à gouverner. Parce que vous avez un homme qui n'arrive pas à assurer son rôle de chef dans son pays. Je ne pense pas qu'être dictateur puisse être la manière de pouvoir montrer un bon exemple à une population qui souhaite une démocratie. Ce sont des choses à comprendre et à savoir. La bonne chose commence par soi-même. Si soi-même, nous-mêmes, on pratique le mal, donc on ne peut que avoir ce mal-là. Si le président de la République est exemple, je pense que nous aurons que des gens exemples autour de lui et que la population essaiera de faire en sorte que cet exemple donné par le président de la République puisse être partout dans le pays. Mais quand il n'y a plus d'exemple, quand les bêtises commencent au haut sommet de l'État, je pense que il n'y aura que des bêtises qui sera répercutées tout en bas de l'échelle. C'est ce que nous voyons. C'est ce qu'on appelle le clash. Donc, maintenant, c'est à vous de comprendre que vos bêtises se font voir dans la population. Mais pour que vos bêtises ne puissent plus se voir parmi les plus petits dans la population, il faut qu'il y ait un changement. Et ce changement doit commencer d'abord par vous, les hommes politiques, par vous, le président. Parce qu'actuellement, vous êtes incapable. Donc, je pense que c'est à comprendre et à savoir. Vous ne voulez plus des Koulouna. Vous ne voulez plus qu'il y ait une masse de population dans votre pays. Devenez responsable. Voilà donc l'attitude que chacun de nous devrait avoir. Mais quand on parle sur les répercussions sur l'avenir du Congo, sur des choses que nous sommes en train de voir actuellement. Nous ne pouvons jamais construire un Congo meilleur si nous n'arrivons pas à rétablir la vérité sur cette affaire. Nous ne pourrons plus espérer avoir la paix tant qu'il n'y aura pas un pardon sur cette population qui est malmenée. Je pense que le Congo-Kinshasa, malgré sa faiblesse actuelle, a encore des jours meilleurs devant lui pour qu'il puisse retrouver son honneur. Et je ne voudrais pas que ce jour-là, quand il arrivera, que certains puissent souffrir par les bêtises que vos chefs ont commis. C'est pour cela qu'il y a à comprendre quelle façon devons-nous marcher dans de bonnes solutions. Citoyens moyens de la République démocratique du Congo ou citoyens du Congo populaire, Congo-Brazzaville, vous devrez savoir que trop c'est trop. Un peuple qui subit risque aussi de faire subir à une autre population les mêmes choses que vous leur faisiez subir. Je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez. Je ne pense pas si on commence à vous faire comprendre par geste
par méchanceté, des choses que vous nous faisiez faire. Je pense pas que certains d'entre vous trouveront ça normal. C'est à toi que j'interpelle, citoyen. Ne refais pas les mêmes bêtises que fait que te demandent les responsables de ton pays. Tu dois devenir responsable pour lui faire comprendre que sa bêtise ou leur bêtise ne peuvent pas t'atteindre. Tu dois leur faire comprendre que ta façon de penser n'est pas leur façon de penser. Ton unité n'est pas leur unité. Tes droits, ce n'est pas le même droit qu'eux, ils pratiquent. Parce que toi, tu veux qu'il y ait la stabilité, tu veux qu'il y ait la paix, tu veux qu'il y ait la démocratie chez toi. Mais eux, ils veulent que toi, tu sois dépendant, sous-dominé, pour que tu restes toujours sur leur ordre. Voilà donc la différence des droits que eux, ils veulent et celle que toi, tu veux. Mais quand toi, tu fais exactement ce que eux, ils veulent, cela veut dire, tu cherches à être sous la domination, sous la dictature. Tu ne veux pas l'évolution. Alors, moi, je viens à toi pour te faire comprendre, te faire dire. Il est temps que nous puissions changer cette manière de se conduire. Il est temps que nous puissions changer cette façon de faire. Marcher pour un changement dans nos constitutions, pour qu'il y ait la paix. C'est bien que nous ne voulons plus de Kuluna. Qui aimerait avoir les Kuluna? Personne n'aime avoir les Kuluna. Mais quand toute une population veut faire comme le Kuluna, je pense que on se trompe. Et quand on se trompe, on n'est plus dans l'ordre, on est dans le désordre. Dans ce désordre-là, nous voyons quoi exactement? L'image que vous reflétez au monde devient celui d'un peuple Kuluna, celui d'un peuple qui a pété les plombs, celui d'un peuple qui n'a plus les notions de droit. Mais je ne pense pas que les citoyens de Brazzaville sont comme ceux qu'on nous montre. Je pense qu'ils sont des gens responsables. C'est à eux que je m'adresse directement pour leur faire comprendre, à ces hommes intelligents, à ceux qui sont visionnaires, qui voient qu'ils ne veulent pas ressembler à de petits délinquants qu'on monte. On ne peut pas généraliser tout un pays, de dire qu'ils sont tous mauvais. Il y a une minorité, cette minorité-là que nous devons viser, de faire comprendre, surtout à ces gens intelligents, intellectuels, de leur faire comprendre que assez, nous ne sommes pas comme vous. Parce que moi, je côtoie des citoyens congolais de Brazzaville. Je ne pense pas que ces personnes-là ressemblent à ces Kuluna que nous voyons. Sauf si je me trompe. Mais je ne pense pas que je puisse me tromper de la sorte. C'est pour cela que j'interpelle cette personne-là, de dire, arrête de faire le Kuluna. Tu ne veux pas le Kuluna. Conduis-toi à un homme responsable. Tu ne veux pas le Kuluna, alors ne pratique pas le Kuluna parce que ça incite le Kuluna de revenir faire encore de sorte. On dit, l'exemple commence par soi-même. Si nous-mêmes, on montre l'exemple, je pense que les gens ne pourront pas venir faire de bêtises chez nous. Mais par contre, si nous-mêmes, on ne montre pas l'exemple, on est ces Kuluna, on est ces voyous, on est ces voleurs. Les gens qui viendront chez nous
ne chercheront qu'à copier, puisque eux-mêmes les pratiquent, nous pouvons aussi le faire. Voilà donc ce que nous devons comprendre. J'aimerais voir un Congo en paix, que ce soit à Brazzaville ou à Kinshasa, qu'il n'y ait plus de Koulouna. Mais il faut que chacun de nous arrête d'accuser l'autre de Koulouna, si nous-mêmes nous savons pratiquer ces Koulouna. Le jour où nous n'aurons plus ces Koulouna dans notre pays, nous serons donc en mesure de dire, regarde ce qu'ils font. Or, dans l'image que nous sommes en train de voir, nous voyons les erreurs commises par le gouvernement en place, par les autorités ou par les polices ou par des gens de la rue qui montrent qu'il y a une montée de Koulouna envers cette population qu'on cherche à dire qu'ils sont Koulouna. Et je voudrais que cela cesse. Je voudrais que les autorités de ces pays se disent prêts à s'engager pour mettre terme à ça, à conduire le pays dans la vraie démocratie et non dans la dictature. Ces choses que nous condamnons, et c'est condamnable. C'est aussi là que vient ce Koulouna, parce que le premier de Koulouna, si vous ne le savez pas, c'est celui qui est en tête du respect. En tête du pays, le président de la République, c'est lui qui représente ces Koulouna. Parce que en étant dictateur, on devient ces Koulouna que les gens ne veulent pas. Alors, veux-tu assumer ton rôle de Koulouna ou veux-tu que nous puissions changer? Voilà donc le message que j'aimerais vous dressez directement à vous deux, à Monsieur Joseph Kabila et à Monsieur Denis Sassou Nguesso. Vous allez comprendre, il faut que vous arrêtiez cette méthode de Koulouna, de cette dictature qui est permanente en vous. Mais vous devez changer. Je vous remercie.